ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Le premier hadith que nous avons choisi de citer aujourd'hui parmi les hadiths du livre Bahjatul Quloub, c'est le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par l'imam Muslim, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Considérez ceux qui sont moins privilégiés que vous et non ceux qui le sont plus. Vous serez ainsi plus à même d'apprécier les bienfaits dont Allah vous a gratifié. » Ce hadith, barakallahu fikum, il est essentiel car il conseille le croyant quant à la manière de se comporter pour être un croyant reconnaissant. Si ce croyant-là ne pratique pas cette recommandation-là, il risque d'être ingrat et de ne pas être reconnaissant envers son Seigneur. Et la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un des fondements de l'adoration d'Allah. Car quand le serviteur se sent reconnaissant envers Allah, il sait qu'il lui doit tout, qu'il lui doit sa vie, qu'il lui doit sa santé, qu'il lui doit les bienfaits qu'il a et qu'il va être questionné sur ses bienfaits le jour du jugement dernier. Alors, il s'attelle à être reconnaissant. La reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, al-shukr, c'est différent de al-hamd, la louange. Al-hamd, cela ne peut se faire qu'avec la langue. Alors que shukr, elle se fait avec la langue, le cœur et les membres. Donc de ce point de vue-là, la reconnaissance est plus généralisée. Bien que alhamd, la louange, elle a un point de vue plus général que le shukr, dans un autre sens. C'est que c'est un remerciement envers Allah sans contrepartie. Ce n'est pas une reconnaissance après un bienfait qu'Allah Ta'ala nous a donné. Quoi qu'il en soit, il mérite la louange. Subhanahu wa ta'ala. Contrairement au shukr, c'est un remerciement et une reconnaissance en contrepartie d'un bienfait qu'Allah nous a donné, subhanahu wa ta'ala. Et shukr, comme on l'a dit, ça peut se faire avec les œuvres. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans le sens des versets, agissez la famille de Daoud en étant reconnaissant, car peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. Donc là, on voit que la reconnaissance à laquelle Allah Ta'ala a appelé la famille de Daoud, alayhi salam, c'est bil a'mal. Aussi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait la nuit, jusqu'à ce que ses pieds enflèrent et se craquelaient. Et Aïcha radiallahu anha de lui dire, pourquoi fais-tu cela au messager d'Allah, alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Quelle était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ne me convient-il pas d'être un serviteur reconnaissant? Donc, comment était ici la reconnaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Par les œuvres, par la prière de nuit. Donc, ce hadith nous enseigne comment être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est l'attitude à adopter? Comment le serviteur devrait considérer les situations qui sont autour de lui pour être reconnaissant envers Allah? Donc il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, considérez ceux qui sont moins privilégiés que vous et non pas ceux qui le sont plus. Vous serez ainsi plus à même d'apprécier les bienfaits dont Allah vous a gratifié. Effectivement, être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, c'est un principe fondamental de l'adoration d'Allah. Et on le voit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui priait la nuit pour être reconnaissant envers Allah. Car Allah lui avait pardonné ses péchés passés et futurs. Donc il priait et il se fatiguait et il souffrait pour être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un degré de reconnaissance qui est obligatoire. Et celui qui ne l'a pas sera en cela pécheur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Même dans les pécheurs,
il y a un degré de reconnaissance qui, si la personne le dépasse, il n'a aucune reconnaissance envers Allah, c'est un kafir. Car la personne qui ne veut pas reconnaître aucun bienfait d'Allah, ne veut pas se soumettre à lui, ne veut pas être reconnaissant envers Allah pour les bienfaits qu'il lui a donnés et l'adorer. Il est ingrat envers Allah, il ne l'adore pas. Donc, tous ces bienfaits dont l'être humain jouit, les bienfaits apparents, cachés, généraux, particuliers, viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans le sens des versets, il n'y a pas un bienfait qui vous touche sans que cela ne provienne d'Allah. Il y a même beaucoup de bienfaits dont on ne connaît même pas l'existence. C'est-à-dire Allah Ta'ala nous protège de certains mâles dont on n'est même pas au courant et nous a donné des grands biens dont on ne sait même pas l'existence ou bien le fonctionnement. Malgré cela, ces bienfaits-là, ils sont présents et Allah Ta'ala nous a gratifié de ces bienfaits. Donc, Allahu Tabarak wa Ta'ala, il mérite qu'on soit reconnaissant envers lui, qu'on ne soit pas ingrat, l'ingratitude. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'ingratitude envers les pères et mères qui sont la cause de notre création. Alors, qu'allons-nous dire de l'ingratitude envers Allah qui est notre créateur subhanahu wa ta'ala? Dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné ce remède. Ce remède extraordinaire, qui est un des moyens les plus efficaces pour être reconnaissant envers Allah et pour savoir comment remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il consiste dans le fait que le serviteur garde tout le temps à l'esprit qu'il y a des gens qui sont moins privilégiés que lui. Que ce soit dans la personne, dans la raison, dans la santé, dans les biens, dans les enfants, dans la religion, qui est le plus grand bienfait. Car il est le bienfait pour lequel Allah Ta'ala nous a créés. Je n'ai créé les djinns et les hommes rien que pour qu'ils m'adorent en me vouant un culte exclusif. Donc, l'être humain regarde combien de personnes n'ont pas la raison. Combien de personnes sont touchées par des maladies physiques, comme handicap dans les pieds ou dans les bras, ou bien un handicap d'une maladie comme le cancer, ou le diabète, ou je ne sais quoi. Combien de maladies? Et la personne, elle se voit, alhamdulillah, lui, il est préservé de ces maladies-là. Ou même s'il a un handicap et une maladie, il y a pire que lui. Des gens qui ont plus de handicap que lui, plus malade que lui. Et malgré cela, cela ne les empêche pas d'être reconnaissants envers Allah et d'être des bons adorateurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète Ayyub, alayhi salam, qu'Allah ta'ala a éprouvé dans sa santé pendant de nombreuses années. Il ressentait de la pudeur envers Allah, rien que pour l'invoquer, pour qu'Allah lui rende la santé. Il disait, j'ai honte de demander à Allah qu'il me rende la santé, alors que toutes ces années auparavant, j'étais en bonne santé et il n'y a que peu d'années que je suis malade. Et ce qui l'a poussé à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa jalousie envers sa famille. Quand ils n'avaient plus d'argent, ils n'avaient plus rien, et une de ses femmes, elle a coupé une de ses nattes, elle l'a vendue pour pouvoir acheter à manger. Donc là, elle a invoqué Allah pour qu'Allah le guérisse, parce que ça touchait son honneur. Mais sinon, il était patient. Alayhi salatu wassalam. Qui alors maintenant peut venir se plaindre, moi je ne peux pas être un bon adorateur d'Allah car je suis malade. Regarde le prophète Ayyub alayhi salam, combien d'années il a été malade et il a tout perdu. Il était riche, il avait des enfants, il avait des troupeaux, il a tout perdu. L'argent, les biens, les enfants, la santé, il a tout perdu. Et il a patienté, il était un adorateur constant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a même pas demandé à Allah la guérison, il patientait. Jusqu'à ce qu'il a vu cette chose. C'est demandé d'où elle a ramené les biens, et il a vu qu'elle s'était coupée sa natte. Elle l'a vendue. Ça touchait à son honneur, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le guérir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans le Coran, il lui a redonné tout ce qu'il lui avait enlevé, wa mithlahu ma'a, il lui a multiplié. Donc Allah ta'ala peut éprouver un serviteur bien-aimé.
Ayoub alayhi salam, un prophète d'Allah, un rapproché d'Allah, Allah Ta'ala l'éprouve. Et comme ça, combien de prophètes étaient pauvres, ils n'avaient même pas de toit sous lesquels dormir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'attachait deux pierres sur son ventre pour combler le vide de l'estomac à la bataille des tranchées, quand ils étaient en train de creuser les tranchées, quand les coalisés sont venus attaquer Médine, et qu'ils avaient faim, et qu'il faisait froid, et ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de creuser les tranchées, et en train de leur annoncer qu'ils allaient vaincre les Perses et les Romains. C'est comme si quelqu'un, imaginez-vous, dans un village, il est encerclé, il est prêt à mourir, et tu lui dis, demain, vous allez battre les États-Unis et la Russie. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Déjà dans mon village, autour de moi, j'arrive pas à m'en sortir. Tu me parles des États-Unis et de la Russie. Il a frappé dans le rocher, il a vu une lumière, il dit Allahu Akbar. Et il a dit que les richesses des Perses et des Romains, elles ont été ouvertes pour les musulmans. Et effectivement, ça a été comme il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont vu quand il frappait, quand il creusait les tranchées, qu'il avait attaché deux pierres sur son ventre pour combler le vide qu'il y a dans l'estomac, pour diminuer la douleur de la faim. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il y a des gens qui ont moins que nous. Et pourtant, ces gens-là sont des meilleurs adorateurs d'Allah que nous. Il y a des gens qui n'ont pas de toit. Et nous, alhamdoulilah, on a un toit. On est au chaud, on vit dans le luxe. Jamais des gens, ils ont vécu dans le luxe comme nous. Il ne nous manque rien, alhamdoulilah. Mais, est-ce qu'on est reconnaissant? Quand on voit les millions et les millions de gens, les pays qui sont en guerre, les morts, ceux qui perdent leurs enfants, leurs parents, le sang, tous les jours ils voient du sang. Ceux qui sont exilés, loin de leur pays, en train de fuir la mort. Et les gens malades, et les gens qui sont pauvres. Et comment on peut nous être ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala après cela? Et subhanallah, l'être humain, même s'il y a 6 milliards de personnes, il y a un qui est mieux que lui. Tout le reste, ils sont moins bien que lui, il va regarder que celui qui a plus que lui. Il va dire, ah non, lui, il a plus que moi. Il ne va pas regarder tous ceux qui ont moins que lui. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le fils d'Adam avait une vallée entière d'or, il en voudrait deux. Une vallée entière remplie d'or, il en voudrait une deuxième. Et rien ne remplira son ventre ou sa bouche si ce n'est la terre. C'est-à-dire, il en veut toujours plus. Il convient de regarder ceux qui ont été moins favorisés que nous. Dans les biens, dans la santé, dans la situation, dans la famille. Il y en a aujourd'hui qui argumentent du fait qu'ils n'ont pas eu de famille, qu'ils ont été orphelins, qu'ils ont été maltraités pour ne pas adorer Allah. Ah, le messager d'Allah, ça, Hassan, il était orphelin. Il a perdu son père et sa mère. Et pourtant, c'est le meilleur des adorateurs et des serviteurs d'Allah. Et après, il a perdu des gens proches de lui, qui le soutenaient et qui l'aimaient. Sa femme Khadija, son oncle, même s'il était kafir, mais il le soutenait, il le protégeait. Abu Talib s'est retrouvé tout seul, avec un petit groupe de croyants. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a été chercher de l'aide à Taif. Ils lui ont envoyé les villes et les fous pour lui jeter des pierres. Cette année qui a été appelée Aam al-Huzn, l'année de la tristesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis la victoire et la réussite. Et effectivement, cela a été comme Allah l'a promis. Non. Donc, quand on voit tout cela, et encore plus que tout cela, le meilleur bienfait, le bienfait de l'islam. Quand tu vois tous ces gens-là qui sont kuffars, qui ne connaissent pas Allah, je me souviens d'un voisin, il y a plusieurs années. À chaque fois que je le croisais, il se plaignait. Et au moment où il se plaignait, deux membres de ma famille, qui sont mécréants, sont venus me visiter. Et en bas, ils sont venus monter chez moi. Ils m'ont dit bonjour, ils sont montés. Je l'ai regardé, j'ai dit, « Akhi, de quoi tu te plains? Les deux qui sont passés là, c'est des koufars. Toi, Allah t'a donné l'islam. Dis alhamdulillah. Wallah, si tu n'as rien, tu es un clochard, tu es malade, tu as l'islam, tu as tout. Arrête de te plaindre, dis alhamdulillah.
vous cache pas que j'en avais assez. Ça faisait un bout de temps, tous les jours, il se plaignait. Et moi, quand il se plaignait, c'est comme il se plaignait d'Allah. Ça me gênait parce qu'il se plaint d'Allah au lieu d'être reconnaissant envers Allah. Et j'écoute ça, j'essaye de le faire patienter. Mais ça y est. Quand j'ai vu ça, cette image, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le meilleur bienfait, c'est l'islam. Car c'est le bienfait par lequel tu concrétises ton objectif dans ce monde et tu sais pour quel but tu as été créé dans ce monde déjà. Et c'est le bienfait par lequel tu seras vainqueur éternellement dans le delà, par lequel tu seras préservé de l'enfer éternel. Tu n'as pas un meilleur bienfait que l'islam. Quand quelqu'un voit tous les gens qui ne sont pas musulmans et qu'Allah il l'a choisi lui pour être musulman, comment il doit être reconnaissant envers lui? Quand il voit que dans l'islam il y a des sectes et des groupes égarés qui se prétendent de l'islam et qui pratiquent quelque chose qui n'a rien à voir avec l'islam, que ce soit les extrémistes qui tuent et volent et pillent et font couler le sang pour rien, sans aucune règle, ou que ce soit les autres qui négligent ou qui exagèrent dans l'adoration des tombes et des saints et je ne sais quoi. Il convient à la personne de dire « Alhamdulillah, Allah m'a guidé sur la sunna ». Ça a été rapporté justement d'un des pieux prédécesseurs qui a dit « Je ne sais pas lequel de ces deux bienfaits est le plus grand. Est-ce que c'est le fait qu'Allah m'a guidé à l'islam ou bien qu'il l'a fait de moi que je ne suis pas un haruri ? Et j'arrive pas à savoir lequel de ces bienfaits est le plus grand. Le fait d'être musulman ou le fait de ne pas être un innovateur ?» Donc, quand on voit cela, on invoque par l'invocation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait quand il voyait quelqu'un touché par une épreuve. Et on ne s'enfle pas d'orgueil. On ne se dit pas, moi je suis sauvé, lui il est égaré. Vous connaissez ce hadith où deux personnes de Bani Israël, deux frères, ils le conseillaient tout le temps et l'autre il disait, laisse-moi entre moi et Allah. Laisse-moi entre moi et Allah. Et un jour il s'est énervé du fait qu'il voit qu'il était toujours dans son péché et qu'il lui répondait, laisse-moi entre moi et Allah. Lui a dit, Allah, il te pardonnera pas. Et le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pardonné à celui-là, et il a châtié l'autre en lui disant, qu'est-ce que tu en sais que je lui pardonnerai pas? Non. Donc, le fait de s'enfler d'orgueil, ou de croire qu'on est sauvé, qu'on a déjà un tampon, on est garanti d'aller au paradis. Qui te garantit? Se sent-il en sécurité du stratagème d'Allah? Ne se sent en sécurité du stratagème d'Allah qu'un peuple perdant? Le croyant ne se sent jamais en sécurité. Il a peur de ne pas être sincère, d'être un hypocrite, que ses péchés le rattrapent et qu'il finisse sur une mauvaise action et il meurt parmi les gens de l'enfer. Omar ibn al-Khattab, il a peur. Omar ibn al-Khattab, il va voir Hudhayfa ibn al-Yaman, il dit, s'il te plaît, dis-moi juste, est-ce que mon nom, il est dans la liste des hypocrites, s'il te plaît. Abu Bakr al-Siddiq, il dit, j'aimerais être un poil sur le torse d'un croyant. Aïcha radiallahu anha dit, j'aimerais être une feuille d'arbre mâchée par les animaux et recrachée. Comme ça, je rends pas compte. Et nous, on croit que ça y est, on est sauvés. Celui qui reconnaît le meilleur bienfait qu'Allah lui a donné, qui est l'islam, puis la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette personne-là, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il se rabaisse pour Allah. Il est modeste et il sait que ce bienfait, quand Allah veut, il peut lui enlever. Et que s'il se comporte d'une mauvaise manière, cela va être la cause de perdre ce bienfait. Donc, cela le pousse à être plus reconnaissant envers Allah. Ce qui implique d'être meilleur aussi avec les serviteurs d'Allah. Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait quelqu'un éprouvé, il disait, Alhamdulillah, alladhi afani mimma btalaka bih, wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Louange à celui qui m'a préservé d'être éprouvé par quoi tu es éprouvé et qui m'a préféré sur beaucoup de ces créatures de plusieurs degrés. Quand tu vois quelqu'un d'éprouvé dans sa santé, sa personne, ses biens, sa religion, demande à Allah de te préserver. Loue Allah qu'Allah t'ait préservé de cette épreuve-là. Surtout les épreuves dans la religion. Et il y avait une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. Et ne fais pas que notre malheur soit dans notre religion. Si le malheur et les épreuves elles sont dans Dunya, c'est pas grave. Dunya, c'est une vie d'épreuves, mais pas dans la religion. Car la religion, c'est l'affaire essentielle et la chose pour laquelle, l'objectif pour lequel tu as été créé. C'est pour cela que la personne, elle doit être reconnaissante envers Allah.
La reconnaissance, comme on a dit, elle se fait avec la langue, avec le cœur, avec les membres. Avec la langue, le fait d'attribuer tous les bienfaits à Allah, et non à autre que lui, et de le remercier pour cela. Il n'est pas là à dire « j'ai fait, j'ai dit, j'ai fait, j'ai construit, j'ai ». Il enlève ce « j'ai ». Par la grâce d'Allah, par la volonté d'Allah, par la permission d'Allah, toujours. Il attribue toujours les bienfaits à Allah subhanahu wa ta'ala et pas à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Par les membres, par les actes, c'est que ce bienfait qu'Allah lui a donné, cette santé, ce corps qu'il lui a donné, alors la manière d'être reconnaissant envers Allah, c'est de l'utiliser dans ce qu'Allah aime et dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Et jamais de l'utiliser dans ce qu'Allah tabarak wa ta'ala réprouve et déteste. Donc la personne, elle éprouve de la pudeur et de la honte d'utiliser son corps, cette force qu'Allah lui a donnée, pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Par le cœur, et c'est le plus important, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un morceau de chair dans le corps, s'il est bon, tout le corps est bon, s'il est corrompu, tout le corps est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur? C'est qu'il ait ce sentiment profond de reconnaissance envers Allah. Et qu'il sache qu'il est redevable envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure manière d'être reconnaissant, c'est d'avoir un sentiment permanent que quoi que je puisse faire, dire, dépenser, que je donne ma vie, mon souffle, mon temps, mon argent, que je sois prosterné du réveil au sommeil, je ne serai jamais assez reconnaissant envers Allah. Donc la vraie reconnaissance, c'est de reconnaître qu'on est impuissant et incapable d'être reconnaissant comme il se doit envers Allah. Et même, la personne ne peut pas être un bon adorateur sans l'aide d'Allah, sans l'appui d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on demande tous les jours « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi seul que nous adorons. Et c'est à toi seul que nous implorons l'aide. Et aussi, le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad, radiyallahu anhu, « Oh Mu'ad, je t'aime. Ne délaisse pas de dire après chaque prière, « Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadat. » Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la meilleure des manières. Même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur serviteur d'Allah, même lui a admis qu'il était dans l'incapacité d'être reconnaissant comme il se doit envers Allah. « La uhsi thana'an alayk, anta kama athnayta ala nafsi. » Je ne pourrai jamais faire ton éloge comme tu mérites. Seuls les éloges dont tu t'es toi-même gratifié sont à la hauteur de ta majesté, ou dans le sens de la dua. Concernant les choses de ce bas monde, les bienfaits qu'Allah a gratifiés les gens, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné ce conseil. De regarder toujours ceux qui ont été moins gratifiés que nous. Car cela est plus à même à ne pas dénigrer, rabaisser le bienfait d'Allah sur nous. Et cela est plus à même à nous pousser à être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la reconnaissance, comme on l'a dit, c'est un pilier essentiel dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala.